Bonjour à tous, je suis Florent Babillette, votre coach en matière de schizophrénie. Alors, on va commencer la vidéo par la présentation de mon dernier livre, Obscure Clarté, Résurrection, le chemin vers le rétablissement. C'est un livre qui parle de schizophrénie, de rétablissement, d'acceptation de la maladie. Donc, c'est un livre qui peut beaucoup vous aider, notamment pour avoir de l'espoir, parce que c'est un livre qui montre qu'on peut s'en sortir, et je pense qu'on a besoin de ça, surtout en ces périodes tumultueuses. Donc, voici Obscure Clarté Résurrection, vous pouvez le commander via Amazon. Je vais mettre un lien en bas dans la description. Vous pouvez me faire des commentaires si vous voulez sur Amazon. Je les lirai avec plaisir et j'y répondrai avec plaisir. Donc, si vous voulez un coaching, vous pouvez me contacter via ma boîte mail, d'accord? Et j'y répondrai également avec un grand plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'acceptation de la maladie, du déni en matière de schizophrénie. Alors, c'est une phase qui est très importante dans la maladie, parce qu'on est tous passés par là, donc il ne s'agit pas de juger les gens qui sont dans le déni, il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi ils n'acceptent pas cette maladie. D'ailleurs, c'est une très bonne question. On pourrait d'abord commencer par se demander pourquoi les gens atteints de schizophrénie passent par cette phase de déni, qui des fois peut même gâcher des vies, parce qu'il y a des gens qui ne sortent pas de la phase de déni, c'est là le gros problème. Pourquoi il y a une phase de déni? C'est vrai, ça, on peut se poser la question tout simplement parce que la maladie, elle est tellement stigmatisée et stigmatisante. C'est une des maladies les plus stigmatisées au monde. La schizophrénie, c'est comme le sida des années 80 et 90. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être atteint de cette maladie. Évidemment, c'est une maladie qui est difficile, qui est dure, mais on peut s'en sortir. Moi, le premier, quand j'ai eu le diagnostic qui est tombé, ça a été un traumatisme pour moi. Mais pourquoi ça a été un traumatisme? Parce qu'on m'a dit, vous êtes atteint de schizophrénie parce que vous avez des voix, vous avez des hallucinations, vous avez des phases paranoïaques. Bon, d'accord, ok. Mais on ne m'a pas donné d'espoir, on ne m'a pas dit que je pourrais m'en sortir, que je pourrais me rétablir comme maintenant. Et c'est vrai que quand le diagnostic est tombé, j'avais l'impression que ma vie venait de s'arrêter finalement à 24 ans. Donc ça a été très difficile, je suis passé par cette satanée phase de déni où je me disais non, c'est la faute du médecin ou du psychiatre qui s'est trompé, ou c'est tout simplement la faute des autres, c'est pas ma faute, moi je suis pas atteint de schizophrénie, les autres se trompent, et donc du coup je rejetais la faute sur les autres. Donc c'est compliqué d'avancer quand on rejette la faute sur les autres. Mais pourquoi on rejette la faute sur les autres? Parce que le mot schizophrénie, il est tellement empreint de noirceur, il est tellement empreint dans l'imaginaire collectif de quelque chose de sombre, que forcément, c'est compliqué de vouloir être atteint par cette maladie, ou en tout cas d'accepter plutôt, je m'exprime mal, c'est compliqué d'accepter la maladie quand on sait finalement la dénomination qu'elle a et la définition qu'elle a pour le commun des mortels. Et donc c'est vrai qu'il y a des phases avant l'acceptation. Alors c'est donc une psychiatre et psychologue, Elisabeth Kubler-Ross, donc, qui va inventer ce concept d'acceptation de la maladie et de phase. Elle va le faire en 1976. Et donc, elle va parler d'une courbe de deuil, c'est-à-dire que les étapes vont se succéder pour former une forme de courbe de deuil. La courbe de deuil, c'est quoi? C'est qu'il faut faire le deuil de son ancienne vie pour accepter finalement sa nouvelle vie. Et il y a plusieurs phases. Ça va être le déni, on vient d'en parler. Le déni, c'est la faute des autres. C'est pas ma faute, c'est la faute du psychiatre ou c'est la faute de mes parents qui n'y comprennent rien. Moi, je suis tout à fait normal. Bon, j'aime pas le terme normal, mais on va dire je n'ai pas de maladie psy. C'est ce que j'ai pensé, en tout cas, au début. Et à la phase de révolte, on va rentrer dans une colère noire, dans une colère profonde. Pourquoi je suis atteint de cette maladie? Pourquoi c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre? C'est injuste, on sent une forme d'injustice profonde. Il y a la négociation, on va se dire, bon, la négociation, ça va être par exemple, est-ce que avec un traitement, je pourrais finalement ne pas être atteint de cette maladie? Est-ce que je peux pas négocier avec le psychiatre pour qu'il dise que je suis pas atteint de cette maladie, par exemple? Ça peut être ça, la phase de négociation. Il y a plein de phases de négociation différentes. La réflexion. Après, c'est la prochaine phase, c'est la réflexion. Cette phase-là, la réflexion, elle est très compliquée. Pourquoi? Parce que c'est une phase de découragement où on va se dire, ma vie, elle est terminée. Ma vie, elle est foutue parce que je suis atteint de schizophrénie. Je ne pourrais rien faire de ma vie. C'est une phase de un peu dépressive, où on n'est pas bien, parce qu'on se rend compte qu'on a cette maladie, et on se dit que finalement le champ des possibles va être limité pour nous, en tout cas c'est ce qu'on s'imagine. Et donc du coup, forcément, ça nous connecte à des sentiments qui sont très négatifs. Et puis, il va y avoir la phase d'acceptation. Alors on ne devrait même pas dire acceptation, parce que est-ce qu'on accepte vraiment d'être atteint de schizophrénie? J'ai envie de dire, on va essayer de faire avec les outils qu'on a pour aller de l'avant.
Mais c'est compliqué d'accepter une maladie quand on sait tout ce qui est, comment elle est connotée dans l'imaginaire collectif. C'est pour ça qu'il serait peut-être utile de changer la connotation de la schizophrénie, mais peut-être même de changer le mot. Après tout, on a bien changé la maniaco-dépression pour en bipolarité. Hein. Alors pourquoi on ne pourrait pas changer le terme schizophrénie par un terme peut-être moins noir? En tout cas, ce n'est pas le terme qui est noir, c'est ce qu'il y a derrière. Et le problème, c'est que bah, les hommes politiques n'aident pas. Hein. On entend souvent ça sur les chaînes d'infos, la France est schizophrénique, etc. Bon voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, les journalistes n'aident pas non plus, parce que certains vont faire des sujets qui sont plutôt positifs sur la schizophrénie, où on peut voir qu'on peut s'en sortir, et c'est très bien, je les félicite. Mais il y en a quand même une majorité qui ne savent pas vraiment ce que c'est, et qui donc font des, on va dire, des reportages un peu à charge, où la personne schizophrénique est toujours en délire, et bon, et le problème, c'est que les gens qui voient ça à la télé, bah forcément, ils prennent peur. Et donc, du coup, quand il y a des nouvelles personnes qui sont atteintes de schizophrénie, qui ont vu ces images à la télé, et bah forcément, ils prennent peur, et ils restent dans la phase de déni, où ils ont du mal à en sortir. Donc, c'est ça le vrai problème. On peut également parler des familles par rapport à la phase de déni, parce que les familles aussi souffrent. Quand on atteint schizophrénie, c'est très dur le diagnostic à la fois pour soi, mais aussi pour la famille. Pourquoi c'est dur? Parce que bah, quand vous avez des enfants, c'est ce que vous avez de plus cher. Donc si vous savez que c'est atteint schizophrénie, cette maladie qui est tellement stigmatisée, et bah, forcément, vous allez être peiné. Vous n'allez pas savoir peut-être comment vous y prendre. Donc pour les personnes atteintes de schizophrénie, on est souvent hypersensible, on sent les choses. Mais il faut accepter aussi que des fois, bah, nos parents, ils peuvent ne pas savoir comment s'y prendre, parce que c'est pas facile. Et donc, du coup, il faut accepter les failles qu'ils vont avoir, parce qu'ils vont pas savoir peut-être comment communiquer avec vous. Ils vont peut-être changer leur façon de communiquer, parce qu'ils voient que vous êtes atteint de cette maladie. Et peut-être que vous, ça peut aussi vous blesser par moment. Il y a une chose qui est importante, c'est que souvent, les familles veulent faire prendre conscience à leurs enfants que c'est important un traitement ou de prendre tout simplement conscience de la maladie. Bon, le problème, c'est qu'il y a des gens, et beaucoup, ma famille aussi au début, hein, le problème, c'est qu'on n'est pas formé en communication, d'accord? À l'école, on n'apprend pas la communication, ça devrait être appris, je veux dire, c'est les bases. On apprend à parler, mais on n'apprend pas à communiquer, il y a une très grande différence. Donc le problème, c'est que bah, si vous dites à quelqu'un tous les jours, prends ton traitement, c'est une injonction. La personne, elle va avoir une forme, il y a des études qui ont été faites hein, là-dessus, elle va avoir une réactance instinctive. C'est-à-dire que plus vous allez lui rabâcher de prendre son traitement, plus ça va lui donner envie de ne pas le prendre. Elle va vous trouver tout un tas d'excuses pour ne pas prendre le traitement. Alors que si vous êtes dans l'écoute, dans le dialogue, dans la compréhension, que vous lui dites plutôt, c'est-à-dire que vous défendez le statu quo, vous lui dites « Je comprends que tu ne veuilles pas prendre ton traitement, après tout, peut-être que tu es mieux comme cela. » Il y a un peu d'ironie derrière, vous comprenez, mais peut-être que la personne ne va pas percevoir tout de suite l'ironie, ou peut-être qu'elle va le percevoir tout de suite, mais ça va l'amener à réfléchir par elle-même. Parce que pour prendre un traitement, pour accepter un traitement, pour accepter la maladie, il faut que ça vienne de l'intérieur. On ne peut pas forcer une personne à prendre un traitement. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut forcément prendre un traitement. Ce que je dis, c'est qu'en général, c'est mieux avec un traitement. C'est plus facile de se stabiliser, de se rétablir, de la schizophrénie avec un traitement adapté, j'entends bien adapté, parce qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'excès par rapport au traitement, il y a des gens qui sont surmédiqués, et ça, il faut faire très attention aussi, parce que les excès dans la vie, c'est jamais bon, trop de médicaments, c'est pas bon, et des fois, pas assez quand on atteint schizophrénie, c'est pas bon non plus. Donc si vous voulez pas prendre de traitement, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il faudra faire beaucoup d'efforts à côté, hein, c'est-à-dire faire du sport, peut-être de la méditation, être capable de faire de la programmation neurolinguistique, des techniques de communication, de la marche dans un parc. Ça peut être également écouter de la musique douce pour vous calmer, pour vous déstresser. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est un peu plus dur, je trouve, sans médicaments qu'avec médicaments. Mais ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, c'est plutôt de l'acceptation de la maladie. Donc comment on peut faire pour qu'une personne accepte la maladie? Eh bien, tout simplement en dédramatisant la maladie, en parlant de la maladie comme quelque chose finalement de... Pas quelque chose qui... Excusez-moi, je cherche le mot... Parce que c'est compliqué. Il ne faut pas voir la maladie comme quelque chose de que négatif. D'accord? Quand on est atteint de schizophrénie, on est très intelligent. Il faut le souligner. On est souvent créatif, on est souvent hypersensible. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Il faut vraiment positiver la maladie, positiver le fait que bah, si ça atteint un de vos enfants, bah, c'est parce qu'il est intelligent, c'est parce qu'il est probablement
hypersensible et que probablement il a du mal à gérer son stress. Donc essayez de travailler sur ça, la gestion du stress, la gestion des émotions. J'ai fait une ou deux vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que l'acceptation de la maladie, c'est important. C'est même très important. De très belles choses se passent à partir du moment où les gens ils acceptent leur maladie, parce que souvent ils vont se prendre en charge avec un traitement ou sans traitement, mais au moins ils vont faire des choses pour aller mieux. Parce qu'ils vont commencer à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire comment je pourrais faire pour aller mieux. À partir du moment où j'accepte ma maladie, en général, je me pose la question comment je pourrais faire pour aller mieux, et donc je me mets dans l'action. Il y a également autre chose dont il faut parler, ce sont les associations qui aident beaucoup pour l'acceptation de la maladie. Parce que si on voit des gens comme nous, eh bien les gens comme nous qui sont à d'autres stades de la maladie peuvent nous aiguiller, nous aider, ils vont nous comprendre surtout, ils ne vont pas nous juger, et donc on peut se sentir finalement aimé pour qui on est, et progresser grâce aux associations. Il y a plusieurs types d'associations. Il y a l'UNAFAM, hein, pour les familles, et aussi pour les personnes soignées maintenant. Donc, il y a ProFamille qui marche très bien également, qui donne des techniques de communication, notamment pour les personnes dont les enfants sont atteints de schizophrénie. Il y a la Maison Perchée. Il y a beaucoup d'autres associations. Il y a l'Open Dialogue, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je vous en parle, c'est comment sortir ces mots MAUX avec ces mots MOTS. C'est-à-dire que vous allez parler de vos crises, de vos hallucinations, ça va vous faire prendre de la distance par rapport à vos crises, et peut-être qu'après vous pouvez être dans l'acceptation de la maladie. Donc c'est vrai que l'acceptation, mes amis, c'est très important, c'est primordial. Acceptez votre maladie, c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc, je vous invite vraiment à le faire, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez finalement progresser, il n'y a que comme ça que vous allez devenir acteur de votre vie. Parce que quand on est dans le déni, on n'est pas acteur de sa vie finalement, on est victime de la maladie. Et c'est pour ça que je dis souvent ma schizophrénie, c'est ma force, parce que je suis passé de statut de victime de ma maladie. Je ne juge pas les gens qui sont victimes de la maladie, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Mais si vous voulez être plus heureux et être mieux avec votre maladie, bah, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Il ne s'agit pas de la dénigrer, il ne s'agit pas de finalement de faire comme si ça n'existait pas, il faut écouter. Il faut aller de l'avant quand même. Donc j'espère que cette vidéo sur l'acceptation et le déni vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.